Allez, nouvelle zone que je ne connais pas. Ouvrez l'œil et le bon. Oh, mais il y a une autre tour là-bas. Ah, mais c'est possiblement... Quoi? Oh, on va faire deux tours aujourd'hui. On s'est cru dans le Seigneur des Anneaux, ça dit. Il y a Saruman qui va débarquer. Je vais parler chinois. Il y a Gandalf qui va se battre avec lui en haut. Ça va être compliqué. Mais c'est bien, au moins on découvre tout. Pour le moment, on va tomber sur une dinguerie. Je vais pleurer, je vais dire pourquoi je joue à ce jeu. Le multivers, t'imagines, tous les jeux comme ça sont connectés. Ça serait trop drôle. En vrai, je pense que ça me ferait kiffer au final. C'est pareil, si on trouve un ou deux sanctuaires, on profite. Hein. Oh, que c'est beau. Vraiment. Quand je suis retourné sur Pokémon, justement, mercredi, je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à faire un jeu sur Switch aussi propre que Zelda. On va dire propre. Hein. Parce que certains vont faire, non, le jeu est dégueulasse. Bref. Après, c'est un avis. Hein. Les goûts et les couleurs, bien sûr, ça se discute pas et c'est différent pour chacun. Mais quand même, Pokémon, respectez-nous un minimum. Et coucou Misaki! Comment tu vas? Comment s'est passé ton vendredi? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est des grues. Est-ce que c'est Maître Gru comme dans Kung Fu Panda? Pas sûr. Allez! Direction la tablette. C'est peut-être le moment où elle a foutu la tablette dans le golem. Hein. On va voir. Hein. Bah écoute, nous ça va très bien, Misaki. On a pas mal avancé, on a appris pas mal de petites infos. On a récupéré l'épée de légende. Ou Excalibur pour les puristes. Et là on se dirige vers les Aura, le peuple a voté. Et on va pouvoir en découvrir un petit peu plus sur le passé et ce qu'a fait Zelda en amont. Tain, mais cette tenue est trop belle, je suis désolé. C'est la meilleure tenue du jeu, je veux rien savoir. Je kiffe. Elle a une belle teinte de vert. Tout ce qu'il faut. Avec une petite côte de maille en dessous, c'est très bien. J'avoue, ça pique les moulins à 3 FPS, à 3 mètres de toi dans Pokémon. Et sauf jury à 50 nuées. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Ils ont fait un choix. Ils ont dit que Pokémon ne marcherait pas aussi bien que Zelda, donc... Tant pis. Je l'ai examinée avec attention. À l'évidence, cette technologie est issue d'une autre époque. Toutefois, je pourrais peut-être adapter la téléportation afin qu'elle fonctionne aussi dans notre espace-temps. L'expérience serait enrichissante, si tu veux bien me la confier. Oui, je vous en prie. Si cela peut vous être utile, Dame Mineru. Dans ce cas, je la garde. Cela confirme que je viens du futur, n'est-ce pas? Et que je ne vous ai pas menti. Pour ma part, je n'en ai jamais douté. Alors dis-nous, ma sœur, existe-t-il un moyen de renvoyer Zelda à son époque? En connais-tu un? Si tu as pu voyager ainsi dans le temps, c'est certainement grâce à la pierre que tu portes. Peut-être l'ignores-tu, mais les pierres occultes amplifient le pouvoir de leur porteur. Le mien, par exemple, me permet de séparer mon corps de mon esprit. Raoru possède le pouvoir de la lumière, qui dissipe les ténèbres du mal. Quant à Sonia, elle soumet le temps à sa volonté. Je perçois deux pouvoirs chez toi, celui du temps et celui de la lumière. Mais la pierre que tu portes n'en amplifie qu'un seul, celui du temps. Oh, le temps. Ta pierre est puissante, mais elle ne peut que renforcer ce qu'elle trouve en toi. C'est à toi qu'il revient de connaître ton pouvoir. Elle ne t'y aidera pas. Je crains donc que si tu ignores toi-même comment retourner à ton époque... Oh. La légende qui entoure les pierres occultes parle d'une pratique interdite, connue sous le nom de rite draconique. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Oh. Oui, c'est une autre façon de traverser le temps, même si ce n'est pas la plus rapide. Et tu as très certainement des raisons de croire que cette légende est fondée. Oui. Mais vous n'avez pas encore entendu la fin. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être.
Voilà pourquoi cette pratique est interdite. C'est une solution au problème qui nous occupe, c'est vrai. Une façon différente de traverser le temps. Mais à quoi bon regagner l'époque d'où tu viens si tu en oublies qui tu es? Je regrette. Je crains de ne pouvoir t'aider davantage. Le problème reste entier. Mais je suis confiant. Traverser le temps, ça n'a rien d'impossible puisque tu l'as déjà fait. Que dirais-tu de te pencher un peu sur ton pouvoir? Je suis sûr que Sonia serait ravie de te servir de professeur. Très bien. J'ai rien écouté. J'ai l'impression d'être moi à l'école. En fait, je faisais trois choses en même temps. Et quand elle a dit à moi, j'ai le pouvoir de séparer mon âme de machin, mon cerveau, il a fait un blackout et j'ai pas écouté les pouvoirs des autres. Voilà, j'ai juste retenu Zelda et Minerva, là. J'ai plus le nom de l'autre. Écoutez, c'est pas grave, hein. Ça nous suit. Ça nous suit. Ben, je regarderai le truc, hein, c'est pas grave. Et coucou Dede, ou Dédé, je sais pas comment je dois prononcer. Comment ça va? Bon, on avance, hein. Bon, ça, je pense que ça se situe... Attends, ah, ça se situe... Oh, ça se situe juste avant. Oh! Ah ouais, parce qu'il fallait faire les auras. Eh, au moins, ça va. Bon, le problème, c'est quoi? On a vu un petit peu plus bas. Mais l'offensive Gerudo... Pas mal, en vrai, pas mal. Séparer son corps de son esprit et dissiper les ténèbres. C'est elle qui peut faire ça ou c'est Sonia et Raoru? Tout comme j'ai écouté qu'à moitié, bien sûr, hein, vous connaissez. Hein. Alors attendez, j'ai noté là-bas. Ah bon, on va aller faire ça. C'est juste à côté. Enfin, c'est à côté, juste à côté. J'ai oublié le dernier, mais je vais recouper le son, je pense. Mais, on a compris que Zelda, c'était le temps et la lumière. Bon, la lumière, on était déjà au courant depuis un moment. Étant donné que c'est le pouvoir qu'elle manifeste en grosse priorité. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? On dirait une colonne vertébrale. C'est chelou ça. T'es en train de me dire que ça s'additionne? Peut-être. Waouh, super, incroyable. Ou alors peut-être que ça s'amalgame. Est-ce que je peux l'amalgamer? Je peux pas l'amalgamer. Possiblement un Korogu. Sonia le sépare, Raoru il dissipe les ténèbres. Et Minerva elle peut se diviser en plusieurs. Ça s'appelle être schizophrène au final. Ok. Au final c'est pas mal utile de savoir ça. Mais attendez, il y a le troisième ici. Attends, mais ça sert à quoi ça? Je suis sûr que c'est un Korogu, ça c'est obligé. C'est trop chelou pour que ça soit rien. Nye. Non mais c'est bizarre mon ref. T'es en train de me dire qu'il faut C'est bizarre. On dit jamais 203 mais c'est bizarre. Ben ça va Misaki. Ça va, j'espère que toi aussi. Attendez, on essaye Peut-être qu'il faut que je les retourne, non? Je sais pas. Bah, pourtant ça a l'air d'être comme ça, non? Bah c'est pas dans le bon sens, Jackie. Bah, c'est chelou, non? Comment on a l'appareil photo? Ah, il y a une petite mission principale. Renseigne-toi auprès de la tour de guet. Tu vas pouvoir trouver quelques petites infos. Mais je t'en dis pas plus. Ok. Convaincu zéro de ce que je suis en train de faire, mais je le fais. C'est chelou. Voilà, j'ai fait une colonne vertébrale. Alors lui, il a une scoliose, mais... Putain, mais ça sert à quoi? Ah, il y en a un autre, là? Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Prends mon épée de légende dans la gueule. Ah, je brûle. Non, mais c'est chelou, ça. Je dois vraiment les empiler? Putain, j'aurais été bon au bowling, hein. Ouais, je vais pas aller à la tour. Ouais, mais ça, c'est chelou. Écoutez, et je veux... Et comme dirait Scooby-Doo, on va résoudre ce mystère. Bon, ça m'a saoulé en vrai. Ça m'a saoulé. Non, en vrai, faut le faire. Hein.
Faut faire l'appareil photo parce qu'il y a pas mal de petites quêtes qui demandent celui-ci. Et puis pareil, il faut prendre en photo tous les méchants. Et moi, c'est ce que je n'ai pas fait. Et je pourrais très bien vous reprocher en vous disant oui, vous me l'avez pas rappelé, ce qui est vrai. Mais on peut également prendre les boss des temples en photo. Et je l'ai pas fait pour le temple du vent. Donc très content. Très content d'avoir un espace vide. Et puis de toute façon, j'étais un peu niqué parce que comme il y a certains trucs qu'il faut prendre de l'ancienne version de Breath of the Wild et que je l'ai pas et que je l'avais pas fait en amont, eh bien je suis quand même niqué sur certaines choses. Hop, bonjour monsieur. Au revoir monsieur. D'ailleurs, si vous le savez pas et que vous souhaitez de la gelée de chouchou bleu ou rouge, sachez que si vous mettez de la gelée de chouchou, alors moi je le savais pas et ça se trouve peut-être des gens vont le découvrir. Attendez, mais il y a un autre truc d'os là. Non mais le jeu se fout de ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais laissez-moi tranquille, me jetez pas de cailloux. Hop là. Yep, ça passe. C'est quoi le programme? Tu peux faire point d'exclamation programme d'aider, mais demain à partir de 10h on fait du Pokémon. Hop là. Parfait, il les a tous arrachés. Let's go. Je sais pas à quoi ça sert. Possiblement ça sert à rien. Ça m'a possiblement juste baité. Mais on saura que c'est par là. D'ailleurs je vais peut-être le noter. Je vais peut-être me faire un point et je vais marquer une étoile. Comme ça possiblement je sais quand c'est noté d'une étoile, c'est des choses que j'ai à faire. Et quand c'est noté d'un cœur, c'est des choses que j'ai fait. Ah, la tour. Est-ce que je peux y accéder ou est-ce qu'elle est bloquée comme toutes les autres? La tour du ravin d'Ordine. Quelle plaie, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu es venu voir la tour de reconnaissance? Évidemment, Michel. Pardon, la situation est un peu compliquée en ce moment. Dis-moi tout. Une ruine énorme est tombée du ciel et évidemment, il fallait qu'elle tombe pile sur la tour de reconnaissance. Du coup, ça a fait sauter le couvercle qui bouche la tour. Et maintenant, elle se termine juste par un trou béant. Et puis, comme si ça suffisait pas, la porte ne s'ouvre plus. À mon avis, il suffirait d'utiliser directement le terminal à l'intérieur pour l'ouvrir. Mais on peut justement pas y aller à l'intérieur. C'est ballot, hein. C'est mal me connaître, Michel. C'est parti. Endurance à fond. On y va. Normalement, ça passe. Écoutez, je suis devenu expert. Et là, on peut faire une petite pause. Tac. Voilà. On est reparti. On refait une pause juste là. Quand tu veux, Link. Ah non, mais ta crousse. Non! C'est bon. Il m'a fait peur, ce bougre. Alors, j'espère que ma stratégie est bonne. Hein. Hop là. Mais oui, mais l'endurance au max, c'est tellement fort. Hein. Pour ça que j'ai maximisé ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a en haut? Bah, il y a juste un trou, quoi. Let's go! Ouais, j'ai peur, je voyais pas où j'étais. Bah, c'est bon. Tu me reconnais, Digicode? NFC, la tablette est reconnue. Il va faire. Oh! Ça, c'est marrant, c'est qu'ils réagissent en fonction des trucs. Ah, enfin. Putain, je me rends compte le nombre de trucs qu'il faut faire sur Zelda, c'est abusé. C'est bon, t'es content? Ah, je vois, c'est bien ce que je croyais. Il suffisait d'activer le terminal pour ouvrir la porte, quoi. Tu me tires un dans un sacré pétrin. Merci beaucoup. Bon, je vais me reposer un petit peu avant de filer à la prochaine tour. Ah mais oui, mais c'est le gars Ah oui, je me demande, c'est pas le gars qu'on voit à la tour de Gué. Enfin, au fort de Gué, mais qui est à la tour en plus de ça. Hop, c'est bon, la switch est chargée. Attention, décollage. On va tous mourir. C'est pas une blague. C'est-à-dire que là, on va libérer la zone vers... Oh, petit sanctuaire. Ah oui, mais ça, c'est la tour vers les Gorons, en fait, au final. Alors, pourquoi le... La forêt des Korogu, elle est embrumée? On n'était pas censé l'avoir désembrumée? Parfait. J'adore ces petites animations, hein. Aussi bien qu'un saut de la foi dans Assassin's Creed. Oh oh. La carte de la surface mise à jour, la montagne de la mort. Super. Vraiment un nom comme quand t'es enfant, tu dis la mort qui tue.
c'est le même principe. Oh, il y a des nouvelles îles célestes à explorer. Tsum Tsum, Omaticaya. Comme diraient, bien sûr, les chers mignons. On va juste passer par là. On va arracher le golem. Ah, oh quoi? Quelle sorcellerie. Mais ça les tout shot, c'est incroyable. Est-ce que tu as autre chose à me donner? Oh, mais attendez, il y a un petit truc en... Il y a un petit wagonnet. Quoi, il y en a un autre? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais d'où il vient, lui? Meurs. Mais d'où il sort? Me dis pas que... Oh là, c'est incroyable. Oh là là, wow, on se garde ça pour une prochaine fois. Parce que je sais que je vais divaguer. Un peu le principe de Zelda. Oh là là, mais il y a tellement de choses. Oh, il y a un petit sanctuaire là, juste en dessous. Oh là là, mais il y a des sanctuaires de partout. Oh non, mais frère, c'est... Il y a beaucoup trop de choses. Faut que j'aille en face. Oh là 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 là. Mais il y a un sanctuaire en plus pas loin, j'ai vu. Où est-ce qu'il est là-bas? On va passer par là, on va faire tout droit. Mais c'est ça, c'est le train de la mine. Non mais j'ai très envie de le faire. Bonjour. Bon, on va se diriger vers le sanctuaire. Écoutez, c'est sur la route. Comme ça, moi, j'explore pas trop la zone. Alors, la tablette Sheikah juste en dessous. Est-ce qu'on voit un autre géoglyphe? Non. Ça, c'est la montagne de la mort qu'on voit sur le côté? Possiblement. Oh, mais il y a beaucoup trop de choses. Ouais, c'est un peu plus loin. Utilisons ça, ça ira mieux. Il y a possiblement un point relais. Non, mais par contre, il y a un gros feu de camp. Ah, et si, il y a un point de relais. Ah, d'accord, c'est une zone. Ok, parfait, on va y passer. Ce sera très bien. Parce que j'ai toujours les quêtes, justement, vous savez, qu'on avait vu en allant vers les piafs. Vers la zone des bras. Où je devais résoudre les mystères de chaque relais. J'essaie de le faire au fur et à mesure. Hein. Les quêtes sont jamais très... c'est des quêtes secondaires, donc... qui sont quand même un peu travaillées, mais c'est ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Pour débloquer justement cette tenue à des yeux, si je peux l'appeler comme ça. Allez, direction le sanctuaire. Pour débloquer en plus un nouveau relais. Ce sera très bien. Attention, je m'écrase. C'est faux. Précision hors norme du joueur. Le sanctuaire Kisinona. J'espère rien de très compliqué. J'espère pas un truc de survie. C'est vrai que c'est les trucs les moins sympas. Même si c'est drôle, ça fait un petit peu de challenge. Mais ce qui est cool, c'est que peu importe ta stratégie, tu peux toujours réussir à passer ces sanctuaires et c'est pas mal. Je suis à combien? Je suis à 0. C'est-à-dire qu'il faut que j'en fasse 4 pour récupérer un cœur. D'ailleurs, je pensais que c'était limité à 30 cœurs, mais non, c'est 40. Je suis allé checker ça hier. Le pouvoir du vent. Ah, et si je l'ai pas, je suis niqué, c'est ça? Ah ouais. Ah si, oh quoi? Il faut que j'amalgame un truc sur mon bouclier? L'essence... Ah oui, mais c'est les... C'est pas les sanctuaires du dessus, ça, c'est les racines. Et je parle pas de Stéphane. Est-ce que possiblement je peux faire ça? Ouais, ma gueule. Oh! Ah d'accord. Ah d'accord, je viens de comprendre le truc. Mon cerveau... mon cerveau est trop fort. Hop. Donc là, il faut que je le mette comme ceci. Ou alors comme ça, ça marchera peut-être mieux, écoutez. Voilà, tourne. Oh là là! Vas-y, Beyblade! Ah, il faut que ça tourne plus vite. Plus vite! Plus vite! Ah, peut-être qu'il faut que j'en sorte un autre. Ah, peut-être qu'il... C'est peut-être pas comme ça, la strat. Alors, ça a l'air d'être ça, mais ça tourne pas assez vite. Après, si j'en mets un deuxième, ça marche, mais est-ce que ça serait pas triché? Je pense que ça serait triché. Alors, sinon, faut que je trouve une autre stratégie. C'est-à-dire que lui... C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça veut dire que... Alors, j'espère que ça va marcher. Attendez, parce que... Alors là, oh là là, la dyslexie, ma gueule. Parce que lui, il va tourner comment? Il va tourner comme ça. Il faut que je le mette. Alors, possiblement, comme ça, ça tourne et ça marche.
excusez-moi, mais pourquoi j'ai loupé ma carrière d'ingénieur en fait. J'ai loupé ma carrière d'ingénieur. Trop bien. Ah c'est tout. C'était juste ça, mais ils se foutent de ma gueule. Il est où le coffre? Il est où le moignon? Ils ont mangé le moignon. Ah il est là. Et comment j'accède là-haut moi? Ils se foutent. Ah je sais. Nya. Ah ça va être chaud. Si merde. Ça je sais, mais je m'attendais à plus compliqué, enfin à plus long avec plusieurs épreuves. Non, il est... Ils m'ont dit vous êtes trop fort, écoutez, ça suffit. Voilà. Qu'il est bon le petit. Une épée, un truc de ouf. On prend un arc de golem surpuissant avec visée rapide. Ça fait toujours plaisir. Allez, Raoru, Sonia, bénissez-moi, dites que je suis un dieu. C'est trop bien. Non, ils sont pas très durs, BBS, ils sont pas des trucs. Vraiment, sur Breath of the Wild, j'ai trouvé beaucoup plus dur et beaucoup plus long. Là, je sais pas sur quoi ils ont mis l'accent, mais bon, c'est pas grave. Hein. Les viewers sont impressionnés. Mais c'est ça. J'essaie d'essayer de vous impressionner pour vous flatter après mon ego. Tout est logique. Hein. Mais merci, messieurs, dames, pour cette lueur bienfaisante. Ça régale. Mais possiblement, avant la fin, on a tout fait. Hein. Ah, mais il y en a, ils étaient trop durs sur d'autres. Hein. Sur certains, j'ai un peu bloqué, mais c'est très rare. Véritablement, ils se comptent peut-être sur les doigts d'une seule demi-main. Oh, il y a un puits par contre. Ah, bah oui, parce que je suis à côté du relais. Bonjour, le dresseur de chiens. Bonjour. Hop, on va juste checker le puits. Parce qu'on a une quête aussi. Ah, mais j'ai papier, frère. Très relou. On en profite, hein, les gars. Est-ce que j'ai une arme pour casser? Ouais, j'ai ça, possiblement. Donne-moi ça. Comment ça va se briser? Mais quelle donc cette sorcellerie? Ah, super, je suis ravi. Je brise toutes mes armes, de ouf. J'en ai fait un où il fallait envoyer des balles loin, en mode golf. J'ai cassé tellement d'armes. J'ai pas souvenir si je l'ai fait, celui-là. Enfin, possiblement, il me parle pas. On va essayer d'aller récupérer ça, mais... Oh, il y a deux coffres. Ah, il y a un autre coffre là-bas. Attends, mais ça coule. Attends, mais c'est de la merde, ça. Ah, c'est peut-être une planche en métal. Ah, c'est possiblement une planche en métal. Alors, est-ce que ça flotte? Oh là là, on est pas dans... Je suis un ingénieur informaticien. J'espère que ça va marcher. On le décale un petit peu. Et tac! Dis-moi que ça flotte! Si ça flotte pas, c'est de la merde! Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ça flotte, mais c'est léger. Je sais pas qui a conçu ce navire, mais. Moyennement confiance. Hein. Hop là. Donc, toi, tu viens ici, mon pote. Quoi? D'accord. Ben, j'ai compris, je vais me faire voir chez les Grecs, c'est ça? J'espère que je peux te récupérer au fond de l'eau, mon pote, parce que sinon ça va très mal se passer pour ton matricule. Bien là. Bon, je m'attends pas à un truc de ouf dedans, mais on sait jamais. Un bouclier. Oh, 64! Putain, mais je récupère mon ref. À place de ça, ça pue de la merde. Voilà, un bouclier royal, 64 de puissance. Le plaisir. J'aurais préféré une arme, sans vous mentir. Mais on se contentera de ça, ça sera très bien. Ça coule. Putain, c'est vraiment... Oh, je peux l'ouvrir? Vas-y, parfait. En équilibre. Un petit rubis violet. Parfait. Allez, sortons d'ici. On va valider le point relais. En récupérant un petit point. Et on sera pas mal. Hop. J'en peux plus. Quoi, il fait chaud? Bah, il est tout nul. Il va choquer des enfants, lui. Bonjour, monsieur. Anso, bienvenue à toi, voyageur. Voici le relais du pied de la montagne. Merci à toi, Link, de faire appel au service des relais. Comme c'est ta première dans cet établissement, tu as le droit à un point relais supplémentaire. Oh, il nous en reste plus qu'un et on a une nouvelle récompense.
Bon, alors, bienvenue Ulic. Est-ce que tu vas enregistrer un cheval ou en emmener en promenade avec toi? Eh bien écoute, on va peut-être emmener un poney. On va peut-être emmener Sirius. Sirius Black, de son nom. C'est le meilleur cheval que j'ai. Regardez-moi en plus la tenue que je lui ai mis, il est incroyable. Oh là 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 là, vraiment le chevalier noir. Tornado on l'appelle. Non écoute, ça ira très bien. Merci de ta confiance. Quand un cheval il apprend, il rend nerveux, il veut plus avancer. Ouais, ben ça c'est pas grave, moi je lui mets une petite fessée et il repart. Hein. Il suffit de viser quelque chose pour le forcer à avancer pas à pas. Oh, d'accord, pas mal. Attends, le virage gauche. Non, mais moi je vais vers le froid. Je vais vers le froid et la mer. Oui, 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 oui. Il est où, Sirius Black? Viens là, Sirius, regardez-moi ce flot. Qu'il est beau, cheval noir. On est loin de celui d'Henri IV, mais c'est pas grave. Allez, trotte. Cannabis. J'aurais dû l'appeler cannabis. Quelle déception. Donc, direction ça. Alors, je pense que c'est pas une bonne strat que j'ai fait, étant donné que j'ai pris un cheval, alors que il y a de la montagne. Donc ça risque d'être, ma foi, un petit peu compliqué. Bonjour messieurs, bonjour madame plutôt. Est-ce que tu as quelque chose à me donner? Oh, ça va, attention, tu peux t'écarter, non? Bon, normalement, si je fais le tour, j'ai un moyen que je... Oh! Je m'arrête. Pardon, madame. Hop, petit salto du poney. Rodriguez! Dis-moi, dis-moi! Ce n'aura pas été dur de leur tirer les vers du nez et obtenir toutes les infos sur le trésor lambda. Tu m'as entendu? Ne t'imagine pas que je vais te livrer ce que je sais sur la collection de fringues perdues du grand voleur lambda. C'est ça qu'on dit, j'espère. Je parle bien sûr des vêtements qui seraient cachés dans diverses grottes à travers le royaume. Tout ce que je sais, je le tiens de deux chasseurs de trésors que j'ai rencontrés près du relais au pied de la montagne. Donc si tu veux en savoir plus, tu devrais aller leur demander. Le relais se trouve au nord d'ici. Mais je viens pas d'ici, le relais de la montagne? Relais du pied de la montagne. Ah, il y a le relais de la montagne, relais du pied. Oh là là. Mais oui, Jean-Michel Lambda. Mais je suis deg, elle aurait pu me donner des infos. Bon, elle m'a donné des infos en soi. Donc pas mal. J'utilise jamais le cheval. Ou très peu. Donc là, pourquoi j'ai noté un truc rouge? Je sais pas, mais j'ai l'air de m'éloigner un petit peu de ma destination, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il faut faire un petit détour. Peut-être suivre la rivière. S'il y a bien un truc que j'ai appris en regardant Malmy sur Swiles avec Bear Grylls, c'est ça. Oh non, un Korogu. Bon, écoute, mon ref. Je sais que t'es là. Je t'oublierai pas. Mais pas maintenant. J'ai autre chose à faire. Sinon, je n'avance pas. C'est bien quand ça te permet de discuter. Petite balade équestre. Ça régale. Hein. D'accord, il se tape avec un PNJ. Oh, intervention chevalier. J'arrive. Sauver une demoiselle en détresse. Bien joué le cheval. Bien joué le cheval. Bien joué Sirius. Voilà. Putain, Sirius trop fort. Ça va, tout va bien madame? Tu te débrouilles super bien. Et encore, tu l'as vu Ah si, tu m'as vu manier l'épée. Tiens, pour te remercier, un risotto crémeux. Eh bien comme quoi, j'ai bien fait de l'aider. On dirait que tu sais te battre. Tu es un voyageur. Je suis même le prodige de la princesse Zelda. Tu as entendu parler des mystérieux géoglyphes? Ouais, on s'est fait spoil un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis une aventurière en herbe et je voyage pour percer les mystères des géoglyphes. Enfin, j'ai entendu qu'il y en avait un qui avait des géoglyphes par ici. Mais j'ai beau chercher, impossible de le trouver. Bon, rien ne presse, à vrai dire. Je vais me reposer un peu avant de reprendre tranquillement mes recherches. On se verra peut-être ailleurs. A bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Benny. Benny des îles. Excellent, on adore l'humour. Comportement bouclier est plein. Mip, mip, mip. Parfait. Hop, demi-tour à gauche. Gauche. Et on y va. On va continuer notre chemin. Par contre, j'ai récupéré. Ouais, bah, c'était un petit bocau blin bleu, donc tranquille. Attends, par contre, ouais, j'ai l'air de pas aller au bon endroit. Pas, à tout moment, je vais trouver. Il y a des os partout, je sais pas à quoi ça sert. Ça me stresse. Quand je vois des éléments et je comprends pas d'où ça vient. C'est un peu stressant. Pareil, il n'y a pas notre cher collègue gros aïeux là, et associé. Et là, on se rapproche tranquillement de la rivière. En soi, dès qu'on a trouvé la rivière, on n'a qu'à la remonter. Hein. Le souci,
C'est est-ce que je peux la remonter avec mon cheval? Je sais pas. Ah, gros aïeux, attendez. On va l'aider quand même, un minimum. J'aime bien ce petit gars, ça fait... Oh, par contre... Oh. Non, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il a fait un petit salto. Ok. Ouais, je vois... Ouais, non mais je vois, c'est un problème de stabilité. Je gère. Ne vous en faites pas. Viens ici, poney. Poney, viens là. Viens là, dégage un peu. Oui, c'est bien, Sirius, c'est bien. Je t'aime bien. Donc... Écoutez, j'ai rapidement vu votre problème, monsieur. Problème de stabilité. Ne vous en faites pas. Comme dirait Bernard et Bianca, je suis là pour vous aider. Donc on va partir sur une base solide, monsieur. On va même partir sur une double base, parce que j'ai très très peur que ça tangasse. Du verbe tangasser. Quoique... Ouah, c'est quoi ça? Ah, c'est déjà un truc qui est collé? Ah, c'est un truc qui est collé. D'accord. Ah quoi? Ah, c'est déjà un truc tout fait? Mais qu'est-ce donc cette sorcellerie? D'accord. Alors, je vais peut-être changer ma strat. Je vais peut-être faire ça. Ça. On va commencer avec cette base-là. Ok. Oh là là, ça sent la couillasse. C'est moi qui vous le dis. Donc. Ça. On va le mettre à la verticale. Et on va l'insérer. Normalement, ça s'insère. Voilà, impeccable. On colle. Ça tient par le Saint-Esprit, mais j'aime l'initiative. On prend la poutre de Bamako. On va la mettre dessous. Comme ça, ça tiendra. J'espère. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Ça va pencher. Quoique, à tout moment, ça tient. Est-ce qu'on n'irait pas renforcer la structure? Bien sûr que non. Bien sûr que si, on n'a pas confiance. Si ça tient du premier coup, I am a génie. Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et comme ça. Là, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Attends, on pourrait faire des prédictions même quand je fais ça, c'est ouf. Ouais, mais c'est bon, lâche pour voir. Pouah, mais professionnel, professionnel. T'as vu ça? Je suis trop fort, mon ref. Incroyable, il ne tombe pas. Mais bien sûr. Mais oui, je suis un génie, merci de le rappeler. Allez. Ah. Il va tout fixer, on va pouvoir le noter sur la carte. Et bien sûr, récupérer les petites récompenses qu'il va nous donner. Et voilà. Grâce à toi, il est solidement en place. On joue à liberté. Bon, 20 rubis rouges, on connaît bien sûr la récompense. Il va me donner de la bouffe, logiquement. Des boulettes aux herbes glagla. Et peut-être un ticket. Et un bon pour une nuit gratuite. On prend. Bon, je les utilise très peu, mais parce que j'aime bien cumuler les points. Mais au moins, ça a fonctionné. Cannabis? Sirius? Mais il vient ou pas? Où est-ce qu'il s'est fourré? Où est-ce qu'il s'est fourré, le bougre? Bon, je vais faire une course, hein. Putain, mais j'ai pris un cheval et il s'est barré. Je sais pas si je suis en route pour Nadel, hein. Les fruits d'eau, Donc tu vends que ça, c'est ça? Et coucou Bounet, comment tu vas? Oh, il y a des flèches. Donne la thune. Je prends tout sans clochette. Je suis tellement en déche de flèches. Mais attends, mais il est où mon poney? Où est-ce que tu t'es fourré, Michel? Ah bah c'est sûr que t'es dans la merde. Ah bah oui. Ah bah oui, t'as voulu faire trempette et voilà, tu peux pas revenir. Ah bah voilà, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il est con, ce cheval? C'est pas possible. Bah ouais, t'allais couler forcément, t'as une armure. Allez, j'espère que tu peux gravir la montagne. Impeccable. Bah voilà, pourquoi tu fais ta fine bouche? Allez. Bon, logiquement, si je suis le chemin tout droit, je vais quand même checker les panneaux, mais on devrait être bon. Comment s'est passée ta journée, Bounet? Attendez, je ralentis un petit peu le pas. Est-ce que je peux lire ça? Ou est-ce que je suis trop loin? Ah si, je peux le lire. Examiner. Montagne de la mort, domaine Zora. Eh bien parfait. Non, c'est bon, j'ai compris une fois, Michel. J'ai compris. Bonjour Mel, comment ça va? Pardon, je parlais aux écureuils, excusez-moi, j'ai vu ça. Oh!
Putain, mais c'est beau. C'est beau. Oh là, le sanglier, il est un peu vénère. On accélère un peu le pas. Ah, c'est beau le domaine Zora. Excuse-moi, c'était Pumba. Oh, il y a encore un Korogu ici. Ah, ça m'agace, hein. Où est-ce que tu veux aller? On sait jamais si c'est sur ma route. Et coucou Squall, comment tu vas? Où est-ce qu'il va? Possiblement c'est sur ma route. Possiblement c'est sur ma route, mais ça me fait chier parce que j'ai pas le bon cheval. Ah putain, et en plus oh là là, mais la route elle est cassao. Un petit peu relou ces Korogu. Un petit peu relou. Faudrait que je m'en occupe. Mais au moins c'est noté. Puis écoute, ça va super. On se dirige vers le domaine Zora. Et je pense que je peux plus utiliser. Oh, super. Bon bah Sirius, tu restes ici. Mais apparemment. Je crois que j'ai vu un truc tomber du sol, mais je peux pas venir avec toi. Enfin, tu peux pas venir avec moi. Donc ouais, on se dirige vers le domaine Zora. Le peuple a voté. Mais s'il y a des trucs qui tombent du ciel! C'est quoi qui tombe là? C'est quoi ça? On jette de la terre? Peut-être que lui il a des infos? Mais qu'est-ce que c'est que cette bouillasse? Et puis tous ces rochers qui bloquent le chemin? Les voyageurs sont nombreux à avoir fait demi-tour et honnêtement je les comprends. À moins d'être un oiseau ou un poisson, impossible d'atteindre le domaine Zora sans emprunter cette route. À l'impossible, nul n'est tenu. Cela dit... Moi, je dois absolument réussir à passer. Alphine m'attend au domaine Zora. Je sais pas qui c'est. Et coucou Julie, comment tu vas? Oh là là! J'avais pas vu où j'ai mis les pieds. Dans la bouillasse. Bon, ça va, c'est juste tout ça esquivé, ça va tranquille. Non mais d'où ça vient? Ah! Ah! Je me suis fait sniper. Viens là, toi, je t'attends. Je vais te goumer. Vas-y, ressort. Dommage, fallait sortir, hein. Le sniper, on m'appelle. Ah, eh bien, je pense. Enfin, j'espère pouvoir te remonter le moral. Pouvoir, bien sûr, respecter mon rôle qui est de streamer. Alors, est-ce que tu joues à Zelda ou pas du tout? Parce qu'à tout moment, comme ça, je peux te faire un petit résumé de là où on en est. Mais installe-toi confortablement. J'espère que c'est rien de trop grave quand même. Parfait, la 9ème. La 9ème de beaucoup que j'ai récupéré quand même. Donc, il y a des lézards fausses. Ça, c'est juste des lumières. Donc, on continue. Ah! J'arrive pas à monter. Passons par là. Le pot. Indiegogo. Super. Vraiment, les jeux de mots Nintendo, je vous adore. Hein. Peut-être pour ça que je kiffe la licence. Bon, les lézards fausses, on va tenter. De les avoir en soum soum par derrière. Ça serait parfait. Chut. Hop. La petite lame dans le cucu. Vous connaissez. Non, vous êtes qui? Rah. Neutralisé. On récupère. Je joue un petit peu sur Switch. Mais je comprends pas ce qu'il faut faire. Donc j'ai abandonné. C'est vrai que comme c'est un jeu qui... est très permissif, te permet justement d'aller où tu veux. Même si quand même le jeu te dit que la mission principale est par là. Je peux comprendre qu'on se perde. D'ailleurs, moi je commence à me perdre aussi. Non, faut que j'aille par là. En vrai, on va suivre juste la rivière. Ça sera très bien. Enfin, la rivière. Ce qu'il en reste. Parce que ça a l'air d'être à sec. Oh la vache! Non mais tu me rends fou, Michel! Hop, le sniper. Headshot, Wartek. Allez, viens, viens, je te tape. Aïe, putain, il est fou, lui. Voilà, parfait. Bien, sache que nous, en tout cas, au niveau de l'aventure, on est... on a terminé le premier temple. Tu as 4 temples à faire. Et ensuite, dans les précédents jeux, c'était 3 temples, puis après 4. Là, ça a un petit peu changé. Mais tu as des temples à faire pour ensuite aller affronter le grand méchant. Bon, nous, en l'occurrence, nous, on sait qui c'est parce que on a vu les petites cinématiques qui expliquent qui est le monsieur et pourquoi il est méchant. Et depuis Breath of the Wild, c'est comme ça.
Alors, ils sont sympas, les auras. Ah, ils ont changé un petit peu de gueule. Hein. Mais là, là, on suit la rivière, comme l'a appris Bear Grylls, et ça va se passer. Alors là, il y a Michel Polnareff, là. Oh non, je l'ai raté. C'est bon. Oh, c'est pas grave si cet arc se brise. Par contre, je devrais aller récupérer le stuff, moi, je suis un grand fou. Attends, je perds de la vie là-dedans? Non, il y a juste du courant. Ça va. Parce que c'est ton premier Zelda, Julie? Ou si t'avais fait Breath of the Wild avant? Ou peut-être Ocarina of Time ou les autres jeux? Moi, c'est pas mon premier Zelda. Et puis j'avais fait Breath of the Wild avant. Ça va se casser l'arc? Non, toujours pas. Vas-y, donne-moi des œils. Des œils. Pouah, la France, bien parlé, Antoine. Des yeux. J'en ai besoin pour améliorer mes tenues. Esquive! Point faible trop fort. Oh, c'est un gros caillou ça. C'est ton premier Zelda. Ah ouais, je comprends que tu sois potentiellement un peu perdu. Les autres étaient un petit peu plus. Un petit peu plus guidés. Si je puis dire. Oh, j'ai plus de flèches? Si. Pff. Hop là, ça dégage. Possiblement, ça va venir vers moi. Ouais. Ah, il y a un objet que j'ai pas l'air d'avoir en plus. Dis-moi que j'ai pris la truite. Dis-moi que j'ai pris la truite. La truite Volt. Parfait. Je t'avoue que même moi qui, comme j'ai dit, j'ai joué au précédent, quand j'ai commencé Breath of the Wild, j'étais un petit peu perdu. C'est pour ça que j'ai juste fait la quête principale avant de fermer le jeu. Mais maintenant que j'ai compris comment il fallait procéder et tout ce qu'il y avait à faire, le jeu a une énorme durée de vie. Mais bon, si peut-être je peux te redonner envie de jouer au jeu, ce sera avec grand plaisir. Alors pour l'instant, on est juste en train d'escalader la montagne, enfin plutôt la cascade. Aïe, la bouillasse! C'est bon. Heureusement, j'ai mis mes bottes. Hein. Mais à la fin, c'est une grande fan, donc elle m'aide. Mais bon, c'est compliqué. Oh, il faut se laisser un petit peu le temps. Une fois que t'auras compris un petit peu comment ça fonctionne, ça sera super. Bon, par contre, ce qui me stresse, c'est qu'il y a de la boue qui tombe du ciel. Donc possiblement, bonjour le chouchou, chouchou beignet, chocolat glacé. C'est que le boss a l'air d'être... Enfin, le temple... il a l'air d'être un petit peu bouillasseux. Mercredi. Fuyassé. Ok, la grotte, elle est là. Viens, je te tabasse. Ok. Bien joué, ma bile. Nye. Voilà. Bien joué, ça. Oh. Une lance que je ne connais pas, c'est une lance d'aura. C'est une lance d'aura. Ça tombe du... Ça a l'air de tomber du ciel, ouais. Je crois, hein. Non? Bah, je sais pas, je vois des trucs de boue qui tombent du ciel, donc possiblement c'est ça. Une lance Zora, parfait. Petite photo, souriez! Incroyable. T'as le jeu mercredi? Ah oui, c'est tout récent! Ah, tu risques de te faire spoil en étant ici. Après, c'est peut-être que toi, tu t'en fiches. Justement, d'avoir. De te faire spoil, hein. Il y en a que je sais que ça ne dérange pas, mais. Sache que nous, on a déjà bien avancé. La grotte du monstre... Non, du monde des bois. Oh, mercredi. Vilain. Ah. Hop là. Nice. Le pouvoir de l'épée, ça me nuise. Ouais, je sais, mais c'est pas... Hop là. Oh, je l'ai one-shot. Ah, elle a pété. Est-ce qu'elle a vraiment pété de ouf? L'épée doit rassembler ses forces. Ok, donc c'est comme l'autre. Ok, bon, au final, ça va. On a connu pire. Je pense qu'on peut peut-être l'utiliser que contre les boss. Ok, bon alors tu peux rester. Oh, une épée Zora. Oh la vache. Quand cette épée est mouillée. Coquine. J'ai plus de place dans mes poches, mais il s'en fout. Hop, on va faire ça. C'est-à-dire que dans la grotte, elle doit faire plus de dégâts, cette folle. Donc, on va l'enlever. Par contre, esthétiquement, elle est jolie, l'épée Zora. Alors super, on la voit vachement bien. Hop. Parfait. Hop, épée Zora. Alors je vais essayer de l'amalgamer. Est-ce que je peux l'amalgamer avec un coffre? Est-ce que potentiellement avec... Oh, je peux l'amalgamer avec un boomerang, avec un bâton. Ouais, écoutez, est-ce qu'on la ferait pas avec un bâton? Allez. Plus de dégâts, ça sera pas mal pour affronter monsieur. Allez, viens là, je t'attends, Michel. Mais c'est la bigueur, regardez. Je suis sûr que je peux le toucher d'ici. Ah, bah bien joué, Babil. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je crois qu'il y a deux N à Planning Squatch, je crois. Si je me suis pas
Je me suis pas trompé, ou alors c'est moi qui sais pas écrire. Hop là, headshot, motherfuck. Oh non, il est pas mort. Viens là. Viens là, Vanini. Viens là. J'arrive pas. C'est bon, je l'ai eu. Hop là. Parfait, un cristal délicieux. Je vais leur dire ça, alors c'est pas du tout le bon mot. Hop là. Ah toi aussi t'avais le doute qui t'habite. Oh. Oh. Ah oh, je prends. Ah oh, je prends en 41, je prends hein. Je prends lance humide. Non, on s'en fout de la lance humide. Par contre ouais, ça je vais essayer de farmer. Est-ce que j'ai une épée qui en l'occurrence peut casser ça? Non. Est-ce que je peux avoir un gros rocher ou un truc du style? Oh, je pourrais très bien la jumeler avec une lance Zora, ça serait pas mal. Mais je voudrais un rocher en soi. Parce que si j'ai pas de rocher, ça risque d'être un petit peu compliqué. Hop. Ça, je récupère. Ah, j'ai pas de rocher, ça c'est un peu chiant. Est-ce qu'on a vu un rocher tout à l'heure? Oh, il y a un petit crabe là. Attendez. Regardez-le. Oh, j'avais pas vu ça. Un gisement précieux. On prend, j'avais pas pris en photo. Je joue Animal Crossing parce que ma soeur a pris Zelda. Oh, c'est très bien Animal Crossing aussi. Hein. Nous, on a plus de 800 heures de jeu dessus, donc c'est une valeur sûre. Tam, il faudrait juste un petit rocher. Est-ce que c'est trop vous demander les... Bon, c'est pas grave, sinon j'y vais avec ça, mais c'est un petit peu dommage. Bam. Oh, oh, banger, ils m'ont donné... C'est tout ce que je veux, les topazes. C'est ce qu'il faut pour améliorer la tenue du crépuscule. Bon, l'ambre un petit peu moins. Ok, il est juste au-dessus, le monsieur. Ok, ambre brute. Nice. Ouais. Oh, mais je suis con. Attendez. Oh, je peux pas l'amalgamer. Flûte. Je me suis dit, je peux amalgamer le coffre avec mon machin, mais non. Ou peut-être que je peux mettre une gemme Nox dessus. Ça servira à rien, mais... possiblement, on peut le faire. C'est pas grave, je vais en retrouver des armes. Et puis maintenant que j'ai l'épée de légende... Tout est bon. J'arrive, le like-like. J'arrive. Tu me laisses juste fouiller et récupérer les gemmes. Et je suis à toi, mon pote. Hop là. C'est bon, je suis à toi. J'arrive. Attention, souriez. Vas-y, faut qu'il m'agresse. Voilà, bien. Bam. On va prendre la lance, hein, ça ira très bien. Parfait. Quand je te vois jouer, lui, ça a l'air simple. Bah, c'est parce que j'ai l'habitude et j'ai l'expérience aussi. Mais si je peux te conseiller avec mon petit niveau sur le jeu, je prends. Certains prétendent qu'avec une dextérité, il est possible d'utiliser les excroissances latérales de ce bouclier subtilement décoré pour dévier les attaques ennemies. Il a 34 et il a garde +++. Ça me fait chier de lâcher un bouclier. Je vais le prendre quand même. Surtout, je vais le prendre en photo. Première chose. Mais esthétiquement, il est pas mal. Ouais, au moins la photo, ouais. Bah, j'essaye, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rappeler pour les photos. Hein. Comme j'ai dit, j'ai oublié déjà le grand Koga et le boss. Et l'un des boss qu'on a fait, donc... si je peux éviter d'en oublier d'autres, ça serait pas mal. Ah, mais je suis venu de là, non? Non, je suis pas venu de là. Oh, il y avait une entrée... il y avait une entrée secrète. C'est ça, non? Il y avait une espèce d'entrée secrète. Très bien. Allez, continuons notre exploration. Ça ira très bien. Ouais, ouais, ça, je sais. On me l'a dit aussi, mais... wow, ça aurait été bien d'éviter de payer les photos pour les oublis. Si je peux en oublier... Enfin, éviter d'en oublier un maximum. Quoique déjà... Éviter d'oublier ma tête, c'est déjà beaucoup. Ah, ça sort pas? Mais sors d'ici! Ça veut pas. Je peux l'ouvrir peut-être comme ça? Non, je peux pas. It's a trap! Non, j'arrive pas à la sortir. Ça veut pas. Ben, un peu le seul. Peut-être qu'il me faudra un autre truc. Est-ce qu'il faut que je fasse levier? Je sais pas.
Puits du Mordre. Ah bah j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un puits ici. Jette de l'eau. Ah j'avais pas pensé à mettre de l'eau. Là, j'ai pas d'eau hein. J'ai pas fait le... J'ai pas de pouvoir d'eau. Mais j'espère que tu vas bien le player. Y'a rien dans le puits. Si évidemment qu'il y a quelque chose dans le puits. Tiens tiens tiens. Qui voilà-je? Des cornes de golem. Et là on a une petite note. J'ai consacré ma vie à la cuisine et de nombreux ingrédients ont aussi consacré leur vie à ma cuisine. J'ai préparé toutes sortes de plats et pensé jusqu'à peu qu'on pouvait, que tout pouvait être mangé. Mais ce n'est pas le cas. De l'espèce de corne mécanique bizarre qu'un voyageur m'a remis. J'ai tout essayé, la cuire à feu, à la vapeur, la faire bouillir, mais rien n'y fait. Il s'agit bien d'un matériau de monstre. Je devrais pouvoir en faire un remède. Mais j'ignore de quel monstre il provient. La créature à qui il appartient était-elle constituée de chair et de sang? L'objet semble être tombé du ciel pendant le cataclysme. Il est donc possible qu'il dépasse notre entendement. L'aventure culinaire ne s'arrête jamais, chef. Ratatouille peut-être, l'éternel goûteur. Ouais, mais ça marche pas, mon pote. Non! C'est bon, j'ai cru que j'allais me faire niquer. Bon, bah on a plus qu'à sortir de ce puits, hein. Let's go. Hop. Bon, on va tester la technique de l'eau. Oui, après, comme je vois que c'était un... Que le player vient d'arriver, forcément, c'est pas indiqué, mais on va tester. Mais j'ai des fruits d'eau. Moi, je pensais que c'était juste pour résister au désert Gerudo. Non, attendez. On va faire comme ça. Normalement, c'est ça. Fruits de l'eau. Oh, putain, ça marche bien en plus, hein. Ça veut dire qu'il y a possiblement plein de trucs que j'ai loupé. Oh, aïe, aïe. Bon. 5 flèches de bois, on prend. Mais merci beaucoup, player. Mais c'est vrai que... Résister à l'envie de me donner la réponse tant que je voulais pas demander. Ah, par exemple, j'aurais jamais pensé de foutre de l'eau dessus. Alors, possiblement, peut-être que... le jeu nous donne l'info un peu plus tard. Mais là, j'avais pas. Oh, nettoyer. Oh non, mais là, si je dois me la jouer à la Mario Sunshine... Pouah, ça va être très long. C'est moi qui vous le dis. Oh là, quoi? Un like de caillou. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, j'ai esquivé, mon gars. Laissez-moi tranquille. Avance, Link. Après, peut-être que ça me tue pas, ça me ralentit juste, hein. Oh, t'imagines, faut tout nettoyer pour le 100%. Je me tire une balle. Qu'est-ce donc? Connaissance des auras, chapitre 1. L'eau et le domaine Zora, une symbiose. Moi, Sidon, prince des auras, est résolu d'inscrire dans la pierre ce qui suit. La terre de l'Anel fut jadis secouée par de profondes transformations. Certaines furent lentes, d'autres fulgurantes. Les hautes montagnes formèrent des nuages qui remplirent de leur pluie les profondes vallées. De cette eau naquit la Zora, qui, en une multitude de cascades, vint alimenter les vastes marécages de l'Anel. Naturellement, les ancêtres d'Ezora avaient des capotes en bois. Non, c'est faux. Qui se déplaçaient lors en quête d'eau. Décidèrent de s'installer dans la région. Les montagnes de l'Anel donnent une pierre de qualité qui permettent de construire des structures aussi solides que raffinées. En la conjuguant avec l'eau de leur domaine, les Ezora ont développé une architecture à nul autre pareille. Dans chaque recoin du domaine, il suffit de fermer les yeux et de tendre l'oreille pour entendre le doux murmure de l'eau. Cette délicate mélodie témoigne, s'il le fallait, de l'harmonie heureuse dans laquelle vivent les auras au quotidien. Comme il incombe aux descendants de la famille royale, moi, Sidon, je prête ici serment. Je jure de me consacrer corps et âme à la paix pour que les murmures du bonheur rythment à jamais la vie du domaine Zora. Bon bah Sidon, je te savais pas aussi poète, hein. Il se la pète un petit peu trop, c'est moi qui vous le dis, hein. De toute façon, au personnage, il se la pète quand même. Bon, je sais pas par où je passe, mais j'y vais. Ok, il y a des lézards fausses. Possiblement, on leur fausse compagnie. Incroyable, j'adore l'humour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se prend en photo, ça? Pas du tout. On dirait du corail. Ça se coupe pas. Tant pis. Alors là il y a une grotte. C'est une grotte? Ça a l'air d'être une grotte. J'ai très peur. Ah! Purée, j'arrive jamais à voir ces chauves-souris.
Veine d'eau du lac. Quoi? Oh fuck. Oh fuck. Un sanctuaire. Ouais. Le vent souffle dans quel sens, Michel? Confiant sur, sur 10, 0. Bon, je vais partir comme ça, en vrai. Logiquement, avec toute mon endurance des batteries, ça devrait être cool. Donc, on va essayer de bien agencer ça. On va mettre ça comme ça. Ça, on va le mettre au milieu. Et on va mettre le ventilateur. Il y en a deux. Il y en a deux. Eh bien, écoutez, on ira deux fois plus vite. On fera comme Vin Diesel. Courir ou mourir. Et je pense qu'il faut remonter tout ça jusqu'au truc. Hein. Ok. On est pas mal. Est-ce que je mets une voile? Non, non, pas besoin de voile. Par contre, une belle fusée, ça, ouais, ça, on aime bien, ça. La fusée, ma gueule. Ça, on aime bien. Hop, ça, c'est la nitro. On va peut-être éviter de la mettre dans l'eau. Voilà. Regardez-moi ce... Alors, c'est pas centré, mais... Est-ce que c'est important? Bien sûr. L'esthétisme, on a joué Animal Crossing. On met ça dans l'eau. Incroyable, regardez ça. Si c'est pas beau... T'es prêt, Michel? Allez, on met la gomme. Wouh! Ça, je contrôle rien. Pff, oh, mais easy peasy. Quoi? Pourquoi le jeu, il a lag? D'accord. Non, mais tranquille. Regardez-moi cette création digne des plus grands. Tralalalala. Bon, par contre, il va falloir qu'on trouve l'hélissus. Hein. Merci, monsieur. Tout s'est passé comme prévu. On va encore avoir un petit... Quoi? C'est pas lui? Non, il se fout de ma gueule. Mais normalement, je suis pas censé juste apporter le cristal. Oh, si c'est pas lui, j'ai le seum. C'est-à-dire qu'il y a deux... Ouais, je sais que je dois faire une offrande. Ouais, je suis au courant à partir de là. Allô le jeu? Allô le jeu? Ouais, le plaisir, c'est super. Écoute, c'est pas comme si je vais transporter ton cristal et que je vais tout refaire. Incroyable. Et pas de soucis, Wewen, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien et bon courage pour tes parties d'MK. Bon, c'est pas grave, on fait dans l'autre sens, hein, écoutez. Pas comme si je vais te le faire une première fois. Mince, on t'a pas dit d'examiner la pierre avant? Ah non, dommage. C'est pas grave, ça fait un clip. Regardez. J'ai fait un navire, il est incroyable. Je pourrais même me rajouter une deuxième hélice pour aller plus vite. Il y a des petites pierres là. Peut-être potentiellement faire ça. Ah, l'épée de légende a retrouvé son pouvoir. Hop là, petit créneau, impeccable. Enfin, plutôt petit beachage hein, pour ceux qui sont experts en navigation. Hop. Mais normalement, on n'a pas besoin de donner la pierre avant. Hein. Moi, j'ai souvenir que c'est des fois, je trouvais la pierre et je l'amenais directement au sanctuaire et ça marchait. Hein. C'est ça que ça m'a pas... Ça m'a fait bizarre. Allez! Très rapide. Bon là on est à contre-courant mais ça va. Par contre j'ai l'impression que quoi que je fasse, mes créations ça... Ça ressemble toujours à des zizi. Pas vous mentir. Viens là toi. Viens ici. Bon par contre on prend un peu l'eau Michel. Ouais bah c'est pas grave. Là, parfait. Dernière partie. Ça marche bien de ventilo. En plus ça consomme pas trop d'énergie en vrai. Je trouve que ça va. Bon l'hélissus doit être ici. On le fera après. On le fera après je pense. Parfait. Alors maintenant tu me dis pas que ça va disparaître hein. Attention. Voilà. Logiquement c'est censé faire ça mais depuis le début. Ou peut-être que je les ai activés sur les autres et je pensais avoir fait la bonne strat. Oh, c'était compliqué, oh là là, fallait apporter une pierre de l'autre côté d'une rivière. Alors peut-être pour certains c'est galère, hein, en vrai. J'espère qu'il y a une épreuve dedans. Bah oui, first try.
En vrai, il y en a, ils sont beaucoup plus chiants. Ils sont pas durs, mais ils sont chiants. Bah, let's go. Notre deuxième sanctuaire du jour. Merci. J'adore cette musique. J'ai galéré à parler. Peut-être s'hydrater, ça serait peut-être pas mal, je pense. Allez. Sanctuaire de la veine du Lars. De Lars, pardon. Attends, on est très proche en plus du domaine Zora. Là, je vois ce que je vois sur la carte. Oh, j'ai pas fait la tour. Bon, eh bien, il n'y aura pas d'épreuve. Hein. On sera juste sur une bénédiction de Raoru. Bien gentil, ce monsieur. Hein. Il nous aide quand même pas mal. Hein. Oui, c'est ça un peu que je pensais. Un hémorroïde, en fait, au final, Kendo. Si je veux parler poliment. Alors ça... Est-ce que les grands les joueurs, vous utilisez ça? Vraiment, pas l'impression que ça soit très utile. Donnez-moi des armes! Même c'est vrai qu'ils m'en ont donné quand même un petit peu. Bon, on va passer, on connaît. C'est toujours la même chose. Hop, la deuxième. Impeccable. Merci de me rendre le petit quart de cœur que j'avais perdu. Bon, on aura un point de téléportation au moins. On suit, hein. Mais quand on va en refaire la semaine prochaine, j'aurai déjà bien avancé et fait pas mal de sanctuaires. On est à 82. 82 sanctuaires et 106 racines. Donc on a bien avancé au final. Alors juste, j'ai perdu mon bateau. Ça, c'est très très chiant. Est-ce qu'il y a des choses derrière? Il y a des graines de Lumos. On va les récupérer. Toujours bien de récupérer ces petites choses. Pour possiblement améliorer de l'équipement par la suite. Donc, il faut que je refasse un bateau. Est-ce que je vais pouvoir le contrôler? Bien sûr que non. Est-ce que j'ai le seum? Bien sûr que oui. Ah si, je peux peut-être le contrôler avec ça. Oh là là. Attendez. Attention. Bon, ça sera pas un fameux 3 mâts. Mais, possiblement, je peux faire quelque chose de bien. Oh là, c'est quoi? Ah oui, c'est l'épée contendante. Ah oui. Est-ce que j'ai pas un truc un peu nul que je peux utiliser? Ben, en vrai, ça. Hein. Est-ce qu'on peut l'amalgamer? Oh, j'ai pas pensé à ça. Oh, on peut amalgamer... Oh là là, on peut amalgamer l'épée de légende. Mais bande de fous forains. Mais bande de fous furieux. Mais c'est des fous furieux. Ben, en vrai, je vais le faire. Hein. Regardez, l'épée de légende avec une feuille Korogu. Let's go. Par contre, ça lui donne pas... Oh, quoi? Oh, plaît-il? Mais il y a des runes sur l'épée. Et tient son épée bizarrement. Bah écoutez Et tu peux changer l'amalgame. Ah non, j'ai eu peur. Je me suis dit tu peux le changer comme tu veux. Bug, non je pense pas, je pense que c'est justement ce qu'ils ont évoqué tout à l'heure. C'est que la puissance de l'épée est illimitée, presque. C'est un truc comme ça qu'ils ont dit. Parce qu'on peut l'amalgamer et elle garde sa puissance. C'est pas grave, écoutez, je m'en doutais que j'allais faire une connerie. C'est comme d'habitude. Ouais, on peut le faire, j'ai découvert un petit peu tard, mais ouais, on peut le faire. Bon, bah écoutez, d'ailleurs, en parlant d'enlever l'amalgame, c'est peut-être que je vais faire. Hein. Voilà. Parce que pour le coup, pas très utile. Où est-ce que t'es? Ah, t'es là. Bouge pas, Michel, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas, je suis à toi tout de suite. Voilà. Parfait, merci, monsieur. Donc si jamais, hein, il faut que j'en récupère 101... J'en suis très loin. Étant donné que j'en suis qu'à 4. On va récupérer les petits crabes aussi. On se fera du surimi dès qu'on arrivera chez les Zora, ce sera pas mal. Alors. Est-ce que je passe? Mais ouais, je passe tranquille. Non? Mais ouais, tranquille, easy, ma gueule. Ouais, parce qu'il faut que je sorte d'ici. Hein. Là, je crois, il y a un radeau avec. Un levier. Oh, une petite truffe max aussi. D'accord, bah le jeu quand tu veux, tu me fais spawn des objets devant moi, je ne te dirai rien. Hop. Ça va la voile?
Est-ce que tu mettrais pas les voiles? Incroyable, j'adore l'humour. L'humour nul, mais l'humour quand même. Parfait. Je me suis fait un petit hydroglisseur. Ça ira un petit peu mieux pour avancer. En avant, pile poil. Oui, ça possiblement ça sert pas à grand chose. Oh, attends, je m'arrête là. Oh putain, je suis un grand malade. Moi, je tape avec ça, avec une épée de la sorte. Oh merde. Ah. Tout va bien. Tout s'est bien passé, les gars. Le plaisir. T'es tellement... Je suis tellement Woody. Mais n'importe quoi, je suis pas Woody. Merde, mon bâton. C'est bon. Tu veux un cosplay? Oh, ça va être compliqué. Hein. Oh, ouais, c'est chaud. Hein. Hop là. Parfait. Mais voilà, petite grotte validée. Parce qu'on a récupéré justement le cristal. Et on est très proche du domaine Zora. Hein. On y arrive. Alors, s'il faut que j'escalade la montagne... Bah possiblement on va peut-être utiliser ça, ça sera peut-être un peu plus rapide. Oh là, j'aime pas trop l'eau. Quoi qu'il y a des grenouilles. Oh la grenouille. Donnez les grenouilles. Ah, il y a un lézard fausse. Attendez, je m'occupe de toi. Ah, il y a pas qu'un lézard fausse. Oh, j'ai touché. Je suis trop fort. Non, il a une flèche électrique. Le bougon. Vite goumé, mon ref, bouge pas. Wartek. Ok, vas-y 1v1. Je te prends quand tu veux mon pote, c'est faux. Aïe, j'ai raté le contre. Putain, mais je fais zéro dégâts. Oh, mais il m'arrache. Ok. Peut-être pas prendre ça. Non, je vais l'arracher avec ça. Ça sera bien. Mais quoi? Ah, j'ai pris les piques, je suis un connard. Mais c'est n'importe... Mais j'en ai marre. C'est bon. Putain, j'ai fait vraiment du caca jusqu'au bout. Hein. J'ai 3 cœurs. C'est largement suffisant. Pas besoin de plus. Par contre, il y avait pas un mec que j'ai arraché par là? Putain, par contre, je me suis fait piquer le popotin. Oh. C'est pas mal. Est-ce que je vais mourir? Possiblement. Oh la vache. Non mais c'est quoi? Il y a du caca qui tombe du ciel. Faudrait que j'aille en face. Ah mais il y a un pont. J'allais aller tout droit alors que... Ben, suivons le chemin. Ce sera beaucoup plus... Oh la vache. Ah, ah ouais d'accord. Je vais peut-être me soigner au final. Parce que là il y a le grand pont Laruto. Laruto, ça me parle. Ce nom me parle. Parce que lui, il va m'arracher la gueule, je le sens. Moi aussi, d'ailleurs. Alors, se soigner. On va prendre des petites boulettes. Petites boulettes. J'ai perdu combien de cœurs? J'en ai possiblement perdu 10. Résistance à la chaleur. Un risotto crémeux, parfait. Ça me donne faim. Une charge ou boom. Pas de tarte aux pommes. Peut-être manger 2-3 petites... Pas manger 2-3 petites pommes, là? Voilà, tout est dans les poches. Hein. Comment ça, j'ai pas vu le message? September? Oh là là, incroyable. Mais déjà qu'il y a plein de gens qui veulent que je fasse du sub-goal avec la barbe, calmez-vous. Est-ce que j'ai des bombes? Bien sûr que non. Ah si, j'ai des bombes. Attention! Ça va, Michel? Vas-y, siffle ta corne. Bam! Et hop là, moins 2. Vous en voulez encore? Voilà. Vas-y. Et paf. Bien joué Michel. Et toi je vais te brûler le cucu. Headshot motherfucker. Nya. Olé Rodriguez. Aïe. Ok. Ça va, il est un peu vénère. Ok. Ça sert un peu à rien mais j'esquive quand même. Vas-y, quand tu veux, attaque-moi. Voilà. Let's go. Simple, efficace. On a bien géré. Par contre, je devrais peut-être l'amalgamer avec... Oh, est-ce que je peux faire amalgamer ça et ça? Bien sûr, mon pote. Combien a fait de dégâts? 21. Ce sera largement suffisant.
Mais là, une épée espadon, le plaisir. Bon, bah tout s'est bien passé, écoutez. Pourquoi j'ai paniqué? Jamais personne n'a paniqué. Alors quoi? Alors t'es en train de me dire que c'était le chemin? Attends. Ouais, apparemment, faut que je passe par là, non? Mais le chemin, il est contre-indiqué ici, ou c'est quoi ça? On va récupérer ça. Un fruit tempo. Ouais, on va aller par là. Maintenant qu'on a Babil, ça va être plus simple. Parfait. Bon, le temple Zora, ça d'être pas... Oh, c'est beau. Attendez, on va profiter un petit peu de la vue. Même s'il y a du caca qui tombe du ciel, mais... Oh là là. Ça me fait un peu penser à... Comment ça s'appelle dans Star Wars? Kamino. Je cherchais le nom, mais c'est venu assez rapidement. Un peu la même vibes. Oh là là, quoi? Pourquoi j'ai des planches? Oh, mais il y a monsieur! Alors, attendez, comment... Ah, possiblement, je peux la fourrer entre les deux. Oui, mes phrases sont bizarres. Ouais, t'inquiète, mais pour l'instant, je peux pas t'aider, mon ref. Parce que je t'ai rien fait en construction. Oh, j'ai pas noté l'autre! Je l'ai pas noté sur la carte. Mercredi. Donc, il va me falloir ça. Possiblement, je peux le faire en amont, non? Aïe! Oh, j'ai surfé. Donc, t'es où, Michel? T'es là. Regarde. En plus, il a fait une base assez sympa, donc ça devrait aller assez vite. Je pense, faudra juste la faire tenir par deux fois. Je pense, possiblement, prendre celle du dessus, ça sera plus simple. Aïe! Un peu moins comme je fais les travaux, je prends dans la gueule. Oh là, c'est une grande planche. Hop là! Comme papa dans maman, ça s'enfile. Voilà, comme ça ne pourra pas tomber. C'est une bonne chose. Et on va terminer un petit peu les fondations. Alors, en évitant d'aller là-dedans, ça serait très con. On va prendre ça. Est-ce que je peux le faire d'ici? Ça serait cool. Voilà. On va faire ça de l'autre côté. Même si une seule pourrait suffire. Même si je vois pas ce que je faisais, j'étais trop loin. Ah, c'est pas trop ce que je voulais faire. Ah, ça me déplace tout. Ah, mais ça va pas du tout ça. Ah, si, c'est pas mal. Si, ça tient. Inch'Allah, ça tient. J'ai confiance. Ouais, lâche. Oh là là, mais je suis ingénieur. Regardez-moi ça, mais j'ai fait ça toute ma vie. Allez, donne-moi de la bouffe et des rubis. Y'a que la thune et la bouffe dans la vie. J'étais à deux doigts de transformer mes phrases en une parole de chanson de Francky Vincent. Hein. Merci, monsieur. 20 rubis. On repasse à 6000. Oh, il m'a donné des herbes solari. Très bien. Pour vous faire de confusion, pas incroyable. Bon, faut pas que j'oublie de le noter cette fois-ci. Hop. On va mettre un petit cœur. Parfait. On sait jamais si j'ai besoin d'y retourner ou autre. Ça sera bien pratique. Alors, on esquive la bouillabaisse. Dédicace. C'est quoi ça? Marseille qui font ça? Oh, il y avait une autre pierre en bas. Bon, la flemme. En plus, c'est pour lire un petit peu de manière soutenue. Oh, bonjour, messieurs. Ça dégage. On va laisser peser. Ah si, par contre, je vais peut-être récupérer votre stuff. Camp de lézard fausse. Plutôt sexy. Bon, on arrive au village Jora. Oh là là, par contre, attendez, je vais mettre... Il faut que je sois présentable. Mettre une épée de légende.